Salut à tous, Johnny Pixel pour une nouvelle vidéo. Donc pour cette vidéo, je viens vous présenter un objet dans une boîte. À votre avis, qu'est-ce qu'il y a? On va regarder ça tout de suite. Donc voilà, nous sommes pour l'ouverture. Donc je vais vous mettre un peu de suspense. L'objet du futur. Et voilà, suspense hein, les amis. Pour ceux qui ne connaissent pas, alors déjà on peut voir DJI. Mais DJI quoi? Je vous présente le DJI Osmo Mobile 2, un stabilisateur de chez DJI. Merci à DJI pour m'avoir donné ce produit, car je l'ai, c'est pas un sponsor. Je l'ai acheté 109€. Donc voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment ça fonctionne et vous montrer les caractéristiques. Donc déjà, on peut voir, il y a une boîte. La boîte, il n'y a rien d'autre, à part un chargeur, mais que j'ai déjà enlevé. Donc un chargeur DJI. Donc là, nous avons une prise pour recharger le téléphone. Parce que la batterie du Osmo Mobile fait aussi de guise de batterie externe pour le téléphone. Donc voilà. Et pour recharger le Osmo Mobile, nous avons une prise juste ici, comme les téléphones qu'on peut avoir ici. Comme les téléphones. Donc voilà, il y a plein de réglages à faire dessus. Il faut régler la balance. Donc voilà. On va tester le stabilisateur. Donc je vais mettre le téléphone dedans. Et oui, pour le stabilisateur, il faut télécharger le logo, l'application pardon, de DJI Go. Donc vous allez avoir le logo de l'application sur l'image. Donc voilà. Donc là. Pour l'allumer, il faut appuyer un appui, il faut appuyer une fois et appuyer un appui long. Donc vous allez voir, on va appuyer. Voilà. Et le stabilisateur, il est en route. Donc je vais vous montrer les deux modes. Donc nous avons un mode suivi. Voilà un mode suivi donc, qui fait des rotations. On a aussi un joystick pour diriger la direction. Voilà. Nous avons un deuxième mode où là il fixera un point fixe. Donc il ne bougera pas le point fixe. Voilà, un appui long. Un appui court et là le stabilisateur il reste sur son point fixe. Qu'est-ce que tu fous là toi? Qu'est-ce que tu fais là? Tu me filmes là pendant que je fais ma crotte là? Je suis en train de tester mon stabilisateur. Mais qu'est-ce que tu fais putain? Je suis en train de démouler là, t'es sérieux quoi? Je suis en train de tester mon stabilisateur. Quel stabilisateur là? C'est ça. Ça t'amuse de filmer les gens pendant qu'ils chient là? Je suis en train de tester monsieur. Mais tester quoi? Tu me filmes là? Je suis en train de tester. T'es en train de me filmer pendant que je fais ma crotte là? C'est quoi le problème là? J'étais en train de faire ma vidéo pour ma chaîne YouTube. Mais j'en ai rien à foutre de ta vidéo YouTube là. Tu filmes pas les gens dans les parcs en train de faire caca là. Qu'est-ce que c'est ça? Vous étiez sur mon chemin. Quel sur mon chemin? Là j'étais en train de filmer. Et alors c'est un parc public, j'ai le droit de faire ma crotte où je veux. Sans qu'il y ait un couillon qui vienne me filmer là. Bah maintenant vous allez aller sur YouTube monsieur. Eh mais ça va pas aller sur YouTube comme ça là. Tu vas me donner ton truc garçon là. Qu'est-ce que c'est ça? Agression, agression, agression là. Allez hop, ton truc je l'embarque. Ils sont fous les gens. J'en ai rien à foutre. Rien à foutre, t'es 109€. Rien à foutre. Donc les amis, je me suis fait voler mon stabilisateur par la racaille. Il me reste le sachet et la boîte. Le sachet, je peux vous le mettre à vendre si vous voulez, vu que j'ai plus rien. 109€ pour le sachet. Voilà. Et 10 000 pour la boîte. Voilà. Contactez-moi. Allez, au revoir, je suis dégoûté, mais voilà.